Coucou mes petites biches, bienvenue dans un nouveau vlog. Je sais que je ne fais pas beaucoup de vlogs pour le moment, mais j'ai un petit peu perdu le rythme. Et en fait, je vais juste me retourner pour que vous voyez le temps qu'on a. Pour le moment, c'est absolument un temps dégueulasse. À ne pas mettre un chien dehors. Depuis hier, c'est la tempête. Si vous me suivez sur Twitter, vous aurez vu mes quelques tweets quelque peu inquiets. On était d'abord en alerte grand vent sur tout l'état de New York. Enfin non, sur tout New York. L'état, je sais pas, mais la ville en tout cas. Et en fait, ça n'a pas cessé d'empirer sur toute la journée. Donc ça a commencé pendant la nuit et puis au matin avec des vents vraiment très forts. Et toute la journée, ça a été de pire en pire jusqu'à voir les arbres quasiment se plier en deux. C'était assez impressionnant. Et on a su au soir qu'on était en alerte tempête carrément sur toute la côte est. Donc bon, on avait pour consigne de ne pas ouvrir les fenêtres, de ne pas rester près des fenêtres. On sait jamais. On devait faire le plein en eau potable et en aliments non périssables au cas où. C'était pas très réjouissant. Surtout que moi j'ai pas du tout entendu parler de cette tempête qui arrivait, ça nous est un peu tombé dessus comme ça. Du coup j'ai pas su faire ma sortie course d'hier, j'ai fait le yoga à la place et aujourd'hui je pense pas que je vais sortir non plus. Le truc c'est que les vrais coureurs diront c'est pas le temps qui doit t'empêcher de sortir, mais pour le moment j'ai pas du tout les bons vêtements. C'est-à-dire que j'ai pantalon, t-shirt et basket, mais c'est tout. J'ai pas de couche isolante pour quand il fait froid, j'ai pas de gants, j'ai pas de bonnet, j'ai pas d'imperméable ni de veste. Tout simplement, j'ai même pas un bon gilet. Donc ça ne m'enchante pas, ça me manque d'ailleurs, ça commence à devenir un peu une habitude d'aller courir, donc ça me plaît pas trop. Mais je reporte mes séances de jogging pour le moment. Et là j'ai Pintou qui est en train de me faire un petit peu le souk, comme d'habitude, parce que on a reçu notre nouvelle commande IKEA. Je me remets devant la fenêtre parce que sinon je suis toute jaune. Je disais, on a reçu notre commande IKEA parce que, étant donné qu'on a reçu nos caisses déjà il y a quelques semaines, maintenant on a vraiment toutes nos affaires et on avait absolument besoin d'une bibliothèque pour ranger tous nos livres parce que là pour le moment, ils sont dans des cartons dans la chambre. Autant vous dire que c'était pas le top. Donc on a commandé une bibli et d'autres menus petites choses. Et je me suis dit du coup que c'était l'occasion de vous faire un vlog. Pas que je vais monter la bibliothèque toute seule, ça je pense que on va attendre que le crawler rentre ce soir. Mais je peux déjà vous montrer toutes les petites choses, genre on a acheté des verres à vin et tout ça. Et quelques petites affaires qui vont améliorer la déco et l'ensemble de l'appartement. Nous avons toujours Pintou qui joue les agitateurs. Pour le moment, c'est une vraie calamité la nuit. Que Gina soit avec ou pas, ça ne change rien, il est infernal. Donc, si quelqu'un veut adopter un gros chat sourd et est prêt à venir jusqu'à New York, parce que ça, c'est sa grande spécialité, il se cache et puis il miaule pour qu'on sache où il est. Mais gros lard, on t'a vu, comment ne pas te voir? Oh, ouf. Tu dis bonjour à la caméra? Bien. Oh, oui. Bonjour. Bon ben du coup je vais vous poser quelque part et je vais déballer cette merveilleuse commande. On a des tapis, on a un miroir et on a Duchesse qui vient voir. Ah, il y a des nouvelles affaires, oui, plein de nouveaux cartons pour jouer dedans. Allez, je vous pose. J'ai déjà mes assistants qui sont à l'œuvre. Bon, le seul truc avec ces livreurs c'est qu'ils sont super gentils, ils nous laissent les sacs bleus. C'est très bien, sauf qu'à chaque fois ils font des nœuds comme des malades dans les sacs, donc en général je dois passer outre le nœud et j'arrive pas à les défaire. Donc on va voir cette fois-ci. Des cintres. Alléluia! Bon. Oh my god! La planche de boucher pour le trolley. Ah, ça j'ai pris pour ma coiffeuse, tiens, je sais pas du tout ce que ça va donner. Est-ce qu'il y en a qui utilisent des rangements à couvert dans leur tiroir à maquillage? Ça m'intéresse de savoir. Ça par contre c'est censé être pour notre tiroir de cuisine, j'ai l'impression que ça va être immense. On a regardé les mesures avant. Voilà, une cuillère en bois. Alors ça c'est quelque chose que j'attendais depuis très longtemps, un vase à 1,79$, parce que j'adore les fleurs et le Crowley m'a promis que quand on aurait un vase, il m'achèterait des fleurs, donc voilà. Je vais pouvoir lui envoyer un message en lui disant « On a reçu le vase, tu peux m'acheter des fleurs ce soir ?» Ah, et alors là, on a été très bêtes. Très très bêtes, je pense. On a acheté des verres. Je crois que c'est des verres en plastique. Ça, ça va pas le faire du tout. Vous savez que les gobelets et moi, ça... Pas une histoire d'amour. Ah ouais, c'est des gobelets en plastique. Ah, ça, ça va pas le faire du tout. Ah. C'est du plastique solide, hein, quand même. Hein. C'est... En plus, c'est des verres immenses. Bon. Écoutez, c'est la preuve que quand on commande en ligne, on n'est pas toujours ravi. Je vais vous montrer, tiens, à quoi ressemblent nos verres à eau, qui viennent de chez Carrefour, qui viennent pas du tout de chez Ikea, mais justement la forme nous faisait penser à ces verres-là. Je me rapproche même si la lumière est absolument atroce.
dans cette partie de la maison. Voilà, ça ce sont nos verres de chez Carrefour, petits et en verre. Et ça c'est ce qu'on a commandé. Parce que vous voyez, ça ressemblait. La forme c'est la même, sauf qu'on a le géant et le minus. Il y a peut-être des gens qui vont apprécier. Peut-être qu'il y a des gens qui aiment bien boire dans des plus grands verres. Moi je suis plutôt team petit verre. Vous dites-moi, vous préférez quoi? Des grands verres, des petits verres, des énormes jarres, des petits machins comme ça. Ça c'est pour sa planche, c'est... je sais pas, c'est de lui. Bon, c'est un produit spécial pour nettoyer sa planche. Des maniques. Est-ce qu'on dit comme ça en France? Est-ce qu'on dit des maniques? Pour attraper les plats chauds. Ça, c'est une petite poubelle pour mettre à ma coiffeuse parce que quand on se maquille, évidemment, on a toujours bien un mouchoir ou un coton-tige qui doit aller à la poubelle et toujours se balader avec ses cotons-tiges plein de mascara jusqu'à la poubelle à la cuisine. C'est un petit peu embêtant. Des sets de table, on n'en trouve pas des beaux parce que je sais pas vous, encore une fois, ça va être la vidéo des questions, mais moi j'aime bien les sets de table qui se nettoient. Donc j'aime bien les sets en plastique parce que pour moi, ceux qui sont tressés ou dans des matières comme ça, dès que c'est sale en fait, ben, par exemple le Nutella, ça s'incruste dedans et bah, c'est pas terrible terrible. Mais c'était les seuls qu'on a trouvé chez Ikea qui avaient l'air potable, donc on va quand même essayer, puis au pire on s'en débarrassera. On s'est aussi acheté quelques planches à pain parce qu'on n'en avait pas. On en avait en Belgique, mais elles étaient tellement vieilles qu'on les a laissées là. Je crois qu'on les a achetées d'ailleurs. Le Crolet s'est acheté un tablier. En plus, c'est raccord avec ça. Regardez ça comme il va être mignon quand il va cuisiner. Encore plus que d'habitude. Découvert des cuillères à salade. Comment on appelle ça? C'est ça, non? Des couverts à salade. Enfin, des cuillères en bois pour la salade, quoi. Les verres à vin. Je vais juste vous en montrer un parce que j'ai peur de tout sortir d'un coup. On a pris des gros verres ballons, ils sont plutôt jolis. On a pris ça aussi, une bouteille en verre, parce qu'on a une Brita et moi je fais mon eau pétillante avec la Soda Stream. Et du coup, ça fait pas de mal d'avoir une bouteille en plus pour l'eau plate ou pour les jus de fruits quand on s'en fait. Parce que j'étais pas trop fan de l'idée de mettre les jus de fruits dans les bouteilles en plastique Soda Stream. J'ai peur que ça tâche en fait et que ça parte pas. Et je suis un peu maniaque de la propreté, donc voilà. Là, le reste des planches à pain, et pour les sacs c'est déjà fini. Je vais vous emmener avec moi dans la chambre et on va mettre les tapis parce que c'est pour faire une sorte de descente de lit, étant donné que normalement 80% des sols là où il n'y a pas de meubles dans notre appartement doivent être couverts de tapis, de moquettes, de n'importe quoi, pour atténuer les bruits. Ce que notre voisin ou voisine du dessus n'a pas fait bien évidemment vu qu'on entend tout. Donc on a acheté deux tapis assez fins, enfin, c'est des carpettes, je sais pas carpettes, tapis, j'ai pas trop la différence, et normalement ça devrait faire vraiment tout juste les côtés du lit. On a aussi pris un miroir avec des petits crochets que je vais mettre dans la penderie pour mettre mes colliers. J'insère un clip de beaucoup plus tard dans la journée, on est le soir maintenant, mais je me rends compte en faisant le montage qu'en fait quand j'ai déroulé la descente de lit tout à l'heure et que je vous expliquais que c'était un petit tapis avec des longs poils et tout ça, ça n'a pas filmé. Donc du coup je vous emmenais dans ma chambre et puis j'allais vous laisser sans rien. Donc je suis revenue pour vous montrer ce que ça donne à côté du lit, c'est plutôt sympa. Bon, je voulais mettre le miroir sur cette porte, mais je ne peux pas fermer la porte si je mets les crochets. Du coup, j'essaye ici et ça va. En fait, le truc, c'est qu'on ferme 99% du temps jamais la porte. Je sais quand même la fermer un petit peu en forçant. Mais en principe, au pire, elle est posée contre. Donc, ce sera très bien comme ça. Je trouve que c'est vraiment chouette parce qu'il n'est pas trop haut. Je vais essayer d'accrocher mes colliers. Et il y a un petit rebord. Donc, on peut même mettre plein de bazar. Et voilà ce que ça donne avec les colliers. Je suis plutôt satisfaite du résultat. Je sais pas vraiment si je vais garder ça sur le long terme. Parce que il n'y a rien à faire. Quand on ouvre la porte, ça va cliquoter, comme on dit. J'ouvre la porte, Duchesse me rejoint. Donc je disais, ça va cliquoter. Et je ne sais pas si, à la longue, ça ne va pas m'embêter. Mais je trouve quand même que c'est plutôt joli. Vous pouvez voir que je n'ai pas 40 colliers. Tout simplement parce que j'en porte très rarement. Donc bon, pour le moment, ça va être comme ça. Je pense pas que je vais mettre des choses dans le petit recoin par contre. Et voilà ce que ça donne. Et le miroir est bien grand, ça c'est chouette.
Alors le crelé, tu aimes ton nouveau petit tablier? Qu'est-ce que j'avais dit? Il est mignon hein, là-dedans. Et on n'arrive pas à se décider de la manière dont on va mettre la bibliothèque. On l'a déjà mise une fois à gauche, une fois à droite. Là, dans le coin, on ne sait pas. Bah, en fait, je commence à m'habituer à la voir là. Ça fait 5 minutes. Ouais, non, ça fait bien 10 minutes. Et du coup, on s'est servi un petit verre de vin. Le Crolé nous a servi un petit verre de vin dans nos nouveaux verres ballons. Et on va continuer à installer nos affaires. Comment savoir qu'on a fait un bon achat? Ben justement, quand un de vos chats décide d'élire domicile sur ce nouvel objet. C'est quand même sympa comme déco. On cherchait quelque chose à mettre sur la table pour décorer. Même pas besoin. On a un gros pointu. Pour le moment, la bibliothèque est toujours là. Et le Crolé s'attaque au meuble qui ira juste derrière lui. Et on a aussi acheté ce grand miroir en pied. Parce que ça, c'est quelque chose que je trouve quand même vachement sympa à avoir pour pouvoir voir la tenue du jour ou prendre des photos, pourquoi pas. J'aime bien les photos Instagram avec les tenues du jour dans les miroirs. Donc voilà, et vous voyez le panier de linge de Mathieu en arrière-plan. Coucou mes petites biches, on se retrouve le lendemain. Hier soir, le Crolé a continué à monter le meuble. Je vous montrerai après quand j'aurai rangé un peu, enfin jeté les cartons. Et je vous retrouve avec un accoutrement quelque peu particulier. Étant donné que je vais aller faire ma première course de la semaine et il y a du soleil. Comme quoi la météo est vraiment hyper changeante ici parce que jusqu'à hier c'était le temps dégueu, je vous aurais montré. Et maintenant c'est grand soleil. Donc, de par ma petite expérience de course le long de la rivière, je sais que si je ne prends pas mes lunettes, je vais devoir courir en regardant le sol. Et en même temps, ça permet de cacher la tête pas encore fraîche, on va dire. Hein. Il fait 6 degrés dehors, donc j'ai quand même mis mon bandeau pour les oreilles, étant donné que je suis très très sensible à ce niveau-là. Et j'ai un t-shirt à longues manches, un petit gilet quechua sans manches et un jogging. Une espèce de legging très collant, donc ça c'est bien, et mes baskets de Free Run qui sont comme ça. Je me trompe, ce sont des Nike Free 5.0 je pense, elles sont hyper bien. Je voulais vous montrer mon appli Couch 2NK, étant donné que j'en ai déjà parlé quelques fois. Aujourd'hui, du coup, je dois rattraper mon retard, je suis seulement au dernier jour de la semaine 2, alors que normalement je devrais être dans la semaine 3. Mais enfin, c'est pas très très grave, et donc aujourd'hui je vais gagner un badge, youpi, c'est super motivant mine de rien. Et le programme du jour, c'est donc 21 minutes, avec 5 minutes de marche avant et après, 1 minute et demie de course, plus 2 minutes de marche, 6 fois. Donc en principe, ça devrait aller, étant donné que c'est ce que j'ai déjà fait la fois passée. Et tout l'appartement est sans dessus-dessous, étant donné que quand je cours, je mets les chaises en hauteur et je fais aller le Roomba, qui est un aspirateur automatique en fait, et ça c'est super pratique. En fait, j'avais déjà oublié que j'avais rangé les cartons pour pouvoir les jeter après, donc je peux vous montrer notre nouveau meuble. C'est comme un buffet en fait. Je sais pas trop si c'est le but principal de ce meuble à la base, mais nous on va l'utiliser pour ranger surtout nos affaires de bureau. Et au final, la bibliothèque est restée là dans le coin. On se tâte encore, mais je trouve quand même ça sympa. Je trouve que ça donne pas si mal que ça. Bon, c'est un petit peu encombré pour le moment, parce que j'ai mis la petite table de salon pour éviter que le Roomba justement vienne cogné dans la bibliothèque qui n'est pas fixée. Et les stores sont fermés parce qu'il y a tellement de soleil, plus le chauffage qui va, c'est étouffant. Je vais d'ailleurs allumer l'airco avant de partir. Et oui, nous sommes bien le 25 janvier. Ça n'a pas de sens. Voilà, à tantôt.